Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous voyez ce super fond d'écran avec cette magnifique Mitsubishi Lancer Evolution MR. Alors aujourd'hui je vais lancer une nouvelle rubrique ou plutôt un nouveau système de vidéo pendant 8 semaines puisqu'on est à peu près à 8 semaines avant les fêtes de fin d'année et je voulais vous proposer le suivant, c'est-à-dire de partager ma base de données, en fait de faire une sorte de mon best-of ou la collection de Homemade. C'est ainsi que je vais l'intituler. Donc c'est la collection de Homemade. Ça sera au niveau tracé, au niveau voiture, ça peut être des circuits, comme ça, des routes de sous-route ou des routes de rallye ou peu importe. Voilà, je vais vraiment prendre des voitures et des circuits qui sont un peu mes coups de cœur aussi et qui pourraient peut-être étoffer votre base de données également. C'est peut-être possible que vous n'ayez pas la voiture et le circuit ou inversement. Donc ici, le but, c'est de vraiment vous partager une collection quand même que j'ai déjà depuis 3 ans, puisque voilà, ça fait quand même beaucoup de circuits et beaucoup de voitures. Et puis voilà, ça va permettre aussi de partager, j'insiste bien, ça sera du partage sur des mods ou des voitures gratuites, hein. Donc je ne partagerai en aucun cas des modes payants, puisque voilà, je pourrais éventuellement mettre un coup de cœur sur un mode, un terrible mode circuit, mais qui est payant, mais je vous expliquerai, je vous mettrai le lien naturellement dans le descriptif de la vidéo, mais naturellement retenez bien que je ne partagerai en aucun cas des modes payants, puisque voilà, c'est le boulot des modeurs, et ça j'ai vraiment beaucoup de respect là-dessus, depuis presque 3 ans que voilà que j'ai ma chaîne, et que je suis quand même beaucoup pour Assetto présent, aussi bien mode, sol, etc. Donc je pense qu'on peut jamais remercier assez les modeurs. Et bon, c'est la moindre des choses. Lorsqu'il y a un mode payant, ben, il faut le respecter, il faut payer pour se procurer. Et c'est grâce à ça que ces modeurs y vivent. Et c'est grâce à ça que nous avons des superbes modes pour Assetto. Donc ici, on est pour la première vidéo, donc la collection d'Homemade, avec cette superbe Mitsubishi Lancer Evolution MR. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et pour accompagner cette Mitsubishi, ben j'ai choisi cette semaine, en tout cas pour cette première vidéo, un super tracé qui est pas des moindres. C'est un tracé qui est fait par Sibtrax pour les gens qui connaissent. Et on va directement aller voir sur Race Department. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici sur naturellement Race Department qui est vraiment en elle-même une base de données énorme. Mais moi je vais vraiment sélectionner pendant les 8 semaines qui restent avant les fêtes de fin d'année, vraiment vous proposer ma collection, mes coups de cœur, et je répète, peut-être des voitures ou des circuits que vous n'avez pas, puisque voilà, en 3 ans on se fait une belle collection et je vous partage ceci, je répète, que des modes gratuits naturellement, il en va de soi. Alors ici Sibtrax, très 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 connu, vraiment ce sont des top modeurs, vraiment top qualité au niveau tracé. Ici on va prendre le premier ici, c'est celui-là que je vous montrerai à la fin, petite vidéo à la fin de cette présentation, avec le tracé de Brasov, vraiment top de top. C'est vraiment le rallye aussi, mais aussi moyen de faire des courses. Donc vous voyez ici, vous avez rallye 1, rallye 2 et le Inclimp, donc vous voyez tracé 11 km puis 5 km, vraiment voilà, que des éloges sur ce Sibtrax vraiment. Et la cerise sur le gâteau, vous avez ici, quand vous faites ici, voilà, more ressources from Sibtrax, vous avez ici toutes les on va dire le boulot qui a été fait par Sibtrax. Ici vous voyez ici beaucoup de tracés français comme le Pou des Lacs, ici le Haguenau, aussi en France, le Provence Alpes. Vous avez ici également le Périgros en France, donc vous voyez superbe tracé également. Ben, effectivement en Roumanie, vous avez en République Tchèque le Sementin, et vous voyez vraiment ici Hong Kong est également présent. Donc ici la cerise sous le gâteau, ben vous avez directement le lien de 2, 4, 6, 8 circuits, ou en tout cas 8 tracés qui a été fait par Sibtrax. Et je répète, naturellement, pendant ces 8 semaines, vous allez en voir défiler des circuits et des voitures. Et je répète aussi, peut-être des voitures que vous n'avez pas, puisque voilà, ceci fait partie de ma base de données, la collection de Homemade. Donc là, avec ça, j'espère de pouvoir vous faire plaisir sur Assetto Corsa. Donc voilà, ici, je mettrai naturellement le lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez naturellement télécharger. Et quand vous avez installé ça, aussi bien, tenez compte de bien mettre vos circuits
dans le dossier track et vos voitures dans le dossier cars d'Assetto. Vérifiez toujours bien l'arborescence des dossiers, puisque voilà, il ne peut y avoir que le dossier du circuit et pas un dossier, puis un sous-dossier, sinon ça ne fonctionnera pas et votre content manager ne va pas le reconnaître. Voilà, donc ça c'est pour la première vidéo. Je vais faire des vidéos assez courtes pour que voilà, ça ne dure pas trop longtemps et que vous puissiez le temps de la visionner aussi. Et donc ici, donc c'est la première vidéo concernant la collection d'Omet, et on terminera cette vidéo par une petite séquence que je vous ai faite concernant ce tracé de Brasov et avec cette superbe Mitsubishi Lancer Evolution MR. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire, partager cette vidéo et n'hésitez pas à y mettre un petit pouce. On se retrouve prochainement. À bientôt mes amis. Ciao, ciao.